Le gars a eu la chance que il n'y avait pas le taux. On lui cassait les pieds. On cassait les pieds là. Le marathon qu'il a fait, il fallait seulement venir raconter. Virage par ci, virage par là, virage par ci, virage par... Sans crier. Hey. Oh, c'est quoi? Sauvez-moi! Touré, lui, qui calait de son côté, et moi-même, je calais de mon côté. Sinon... Les 500 francs qui te donnaient, tu as payé le téléphone avec. Tu n'as même pas fait une minute de communication. Hein. Attends. Patron. Attends, cognez. Aïe. Patron. Oui, nous sommes les deux patrons. Patron. Goutia. Bon, dis-moi alors, Goutia. Qu'est-ce que tu voulais me dire là depuis? Parce que je ne te comprends pas. Patron. Oui. Hé, tonton. J'aime pas t'attendre que tu cherches le numéro 1. Non. Non. Flocon, sache-toi, éduque. Donc, elles ont parlé de moi. Beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont dit alors? Tu veux accoucher, non? Oui, bien sûr. Tu veux faire des enfants? Bien sûr. Voilà. Quel homme ne veut pas faire d'enfants, Koucha? Elle dit non. Elle ne veut pas. Attends, elle ne veut pas faire d'enfants, Koucha? Oui. Donc, je passe mon temps à souffrir alors qu'elle n'a pas. Ok. Maman a dit que ce n'est pas bon. Elle a dit que c'est bon. Elle me fait marcher chez les marabouts, par-ci, par-là, j'ai habité tout genre de potions. Alors que la bonne dame ne veut pas d'enfant. Tonton, oui. Tonton, donne-moi le porc. Le porc. Oui, écoute, on va acheter le porc, dis-moi. Dis-moi tout. On va acheter le porc après. Tonton. Elle a fait le... Attends, bois d'abord un coup. Ah, il a fait le panique. Tantine, a fait le panique. Hôpital. Le planning ou le panning? Voilà, c'est ça. Le planning familial, hôpital. Donc si je comprends bien, Flo fait le planning familial sans mon consentement. Je suis là chaque jour, je m'époumonne à chercher un enfant alors que la bonne dame fait son planning familial. À l'hôpital. Dis-moi, Koucha, tu as su ça comment? Je dormais, non. Elle a parlé. J'ai compris. Flore. Maman. Dis-moi, depuis là, tu ne tombes plus enceinte. Ça ne vient pas seulement où tu ne veux pas. Mais maman, j'ai déjà deux enfants. Ok, c'est qu'elle t'a envoyé l'autre chez sa mère et l'autre chez sa grande sœur. Deux enfants, tu dis bien. Tu es sans ignorer que nous sommes sortis 11 dans le ventre de notre mère. Ta propre mère, ma soeur paie à son âme, avant de mourir, vous a fait 6. Je parie que si la mort ne l'avait pas pris très tôt, elle serait déjà au même nombre que notre maman. Et moi, j'ai déjà fait 8 enfants. Tu me parles que 2 enfants sont beaucoup. Maman, je ne suis plus mère pondeuse. 2 enfants sont largement suffisants pour moi. Et d'ailleurs, je fais mon planning. Le plat quoi? Mon planning, maman. Ton mari au courant? Pourquoi est-ce qu'il doit être au courant? Ah, donc c'est ça que vous appelez ici en ville, égalité de sexe, où les femmes doivent aller faire le planning familial sans le consentement de leur mari? Ok, puisque tu y tiens tant, je te conseille de garder le secret. Parce que je n'imagine même pas le carnage qu'il fera dans cette maison lorsqu'il s'en rendra compte.
T'inquiète, maman. Il ne serait jamais au courant. Mm-hmm. Vraiment, vous me fatiguez. Si ce n'est pas histoire de planning familial, ça doit être le téléphone où Flore est allée au stade vendre le tas qu'elle est rentrée tard, ou c'est Sikati qui rentre, Yves. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis même épuisée. Tu sais quoi? Accompagne-moi chez ma soeur, Madame Talambou Geneviève. Je vais me reposer. Au moins là-bas, il y a la paix. Maman! Non. Même une nuit seulement, je ne peux plus passer dans cette maison. Jusqu'à ce que vous arrangez vos problèmes. Je cherche mon sac. Non. Je ne peux pas. Pardon, accompagne-moi. Ah! Elle a parlé, j'ai compris. Je ne dormais pas. Fais comme ça. Dormais comme ça. J'ai compris. Ok, il n'y a pas de problème. Comme je te dis, tu es le patron. Hein? Donc, quand je ne suis pas là, tout ce qui se passe à la briqueterie ou à la maison, tu dois me le raconter. Hey, patron, c'est moi. Oui. Moi, patron. Oui. Et toi, patron. Oui, cogné. Il faut acheter ma part. Achète. À la maison. Je ne veux pas manger dans le plat. Donc tu veux plus manger dans le plat, tu veux qu'on achète ton kumbu. Uh-huh. Tu manges maintenant dans le kumbu. Uh-huh. Il n'y a pas de problème. Hein? Tu es le patron à la briqueterie comme à la maison. Uh-huh. Donc, tu dois suivre les faits et gestes de tantine. Uh-huh. Si elle parle avec quelqu'un, tu écoutes. Uh-huh. Au téléphone, tu écoutes. Tu me rends compte. Uh-huh. D'accord? Uh-huh. Voilà. Uh-huh. Bois. Ok. Servez-lui encore une bière là. Vampi, diable, sors. Elle est où là? Hein? Tu te caches, hein? Tu vas me sentir. Mets de l'eau. Hein? Med, ce mois-ci là! Med, je passe mon temps à chercher un enfant alors que la bonne dame ne veut pas accoucher. Med! Hein? Combien d'années? 9 ans! Les gens se moquent de moi que je n'ai pas d'enfant. On fait les voix bébé à la réunion. Tous les années, je cotise au moins 4 voix bébé. J'ai dit 4, même remboursé, on n'a jamais remboursé. La bonne dame est là. Merde. Donc, je dote une femme avec mon argent. Je veux faire mes enfants et me bloque. Ça ne peut pas finir comme ça. Je dis que. Je veux te mettre les enfants de 9 ans là aujourd'hui dans ton ventre. Je dis que je te mets les 9, les enfants. Merde. Les enfants que tu bloques depuis 9 ans là, je vais te mettre ça aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain. Je t'attends ici. Merde, ça c'est qui ça? On me prend pour qui? Hein? Elle me prend pour qui? Non, ça peut pas finir comme ça. Je t'attends ici. Ah, donc, le salopin là, le boulement est arrivé. Je suis devenu salopin, non? Tu sors d'où, madame? Tu sors d'où? Madame. Tu me fais jouer dans un stade sans goal? Hein? De quoi tu m'appelles salopin? C'est ça? Tu parlais de quoi finalement? Ah, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Que je suis dans un stade. Je jongle. Je sens. Je ne peux pas marquer de but parce que la bande m'a enlevé les poteaux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu m'as fait boire tout genre de potions parce que je cherchais un enfant. 9 ans? 9 ans? Hein? Récemment, c'était où c'était l'urino? Où c'était l'urino thérapeute? Quoi? On m'a fait boire les urines.
je pisse, je bois, parce que je veux un enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, à mon âge ici, deux enfants suffisent pour moi. C'est Cathy, je ne suis plus mère pondeuse. Ah bon? Tu n'es plus mère pondeuse. Donc, je passe mon temps à taper poteau, à jouer dans un stade, sans poteau, sans goal. Tu fais le planning familial sans me dire. Qui a fait le planning? Tu veux discuter? Tu veux discuter avec moi? Je comprends pourquoi tu dois chanter le salopard est là. Le salopard est là. Manjomba, il don kamo. Il go do. Je veux voir là où il va passer pour être. Attends. C'est quoi ça? C'est pour qui ça? Hein? Donc je suis là, dans un stade où madame a carrément enlevé les gaules. Oh, vraiment de Dieu. Je joue. Je joue. Hein, madame? Jamais de but marqué. Tu es là, tu te moques de moi. Que fais tout ce que tu fais là? Embrouille-toi. Tu vas me dire qui a fait ça. Et je suis sûr que ce docteur. Ramasse ça. Ramasse ça! Avance-toi. Je suis sûr que ce travail de docteur, je le paye avec mon argent. Je le paye avec mon argent. Il fait des choses derrière mon dos. Et chaque jour, le premier a dit, non, c'est Cathy, il faut avoir espoir. Machin. Avance. Avance-toi, il va me... Tu m'amènes où, c'est Cathy? Tu m'amènes où? Il va me dire. Ce n'est pas lui, c'est Cathy. C'est lui. C'est pas lui. Il va me dire. Laisse-moi, c'est Cathy, laisse-moi. Il va me dire. Laisse-moi. Planning familial sans mon consentement, madame. Tu vas me dire, si ça avait docteur 1, il va me sentir. Ce n'est pas lui, ouais, hein, avance-toi. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Tu es trop gentil. Donc t'es où? Il est au bureau, s'il vous plaît. Ah, avance, ça va pas prendre un peu le plan. Désolé monsieur, j'ai pas pu les retenir. Oh, ok, sorry. Bon, madame, prenez place. Madame, prenez place. Monsieur, vous pouvez vous asseoir. C'est toi qui me fais ça, hein? Toi, tu passes le temps à m'encourager de faire un enfant. Tu m'as déjà fait tout genre d'examen. Je n'y ai bu tout genre de potions. Monsieur, soyez calme. Asseyez-vous. Madame, s'il vous plaît, prenez place, s'il vous plaît. Oui, quel est le souci? Quel est le réel souci? Qu'est-ce qui vous amène ici? Toi, tu fais le planning familial à ma femme sans mon consentement. Mais... ça me paraît étrange votre information là. Tu veux nier? Tu veux nier, docteur? Mais. Qui a fait ça? Qui a fait le planning familial là? Mais monsieur, regardez vous-même le carnet. Qu'est-ce qu'on a mentionné sur le carnet? Mais nous sommes au centre médical pluriel. Vous présentez un autre carnet? Tu as fait ça ailleurs? Tu as fait ça ailleurs? Non, monsieur. Monsieur. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur, docteur, c'est juste que je me suis engagée à faire un planning familial. Et oui? Et mon mari n'est pas d'accord avec ça.
Tu m'as demandé avant de le faire. Non, monsieur, soyez calme. Soyez plus posé, monsieur. Le but de faire ce planning familial, c'est d'espacer volontairement les naissances. Vous comprenez un peu? Et non les limiter. Oh, monsieur, soyez calme. Eh, madame. Et de ce fait, ce planning-là ne doit pas être fait seul. Vous allez demander aussi l'avis de monsieur avant de faire ce planning. D'accord? J'ai compris, docteur. Ok. Monsieur, je crois que vous connaissez déjà le bienfait de ce planning-là. C'est quelle méthode que vous avez utilisée, madame? Parce que cependant, nous avions au moins plus de 4 méthodes, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser des préservatifs. Oui. Que ce soit masculin ou le préservatif féminin, c'est toujours une bonne chose. Il y a aussi la prise des pilules. Si la femme ne veut pas tomber enceinte au moment opportun ou peut-être, je ne sais pas trop, elle peut prendre les pilules et c'est important. Il y a aussi la méthode du dépôt provéral, la méthode par injection. C'est-à-dire, chaque après 3 mois, tu dois te faire injecter. En effet, tu vas aller sur toutes ces méthodes-là et choisir la méthode qui t'arrange le plus. Il y a aussi l'implant Jadel. Hein? Tu as compris ce que le docteur a dit, non? Tu as compris, non? Tu as compris? Oui, oui. Je m'excuse pour le désordre. On va rentrer, régler d'abord ça en famille. Okay. On va revenir te voir et choisir notre méthode. Sans souci, monsieur. Mais tu as compris que le planning, ce n'est pas pour limiter les naissances. C'est pour espacer. Fais les enfants le moment opportun et au choix. Et mets le nom aussi dans ta tête. Centre médical pluriel. Je vois encore un autre carnet. Dans ma maison que ce n'est pas le carnet du centre médical pluriel. Tu vas me dire. Lève-toi. Mais soyez moins agressif une fois quand vous êtes à Berne, monsieur. Ok. Bon. Ok. Excellente journée à vous. Merci de... Bonne journée à vous. Merci. Salut, salut. Surtout merci à vous qui nous soutenez au quotidien. Merci à Fon Pinto. Merci également à JN du côté de la France. Bref, pour tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, nous disons merci parce que c'est grâce à vous que nous avons le courage et la force de faire ce que nous faisons. Surtout, ne manquez pas toujours de commenter, de nous donner votre point de vue pour que nous puissions nous améliorer au quotidien. Cliquez, partagez, likez. Bref, n'oubliez pas de sonner la cloche de notification. Merci.